Nex qui connecte avec Bureau. Ok. Maintenant, où dit 4 bureaux, 4 personnes qui ont pour travailler là-dedans, qui ont pour venir là pour le faire 4e. La communauté haïtienne a 500 personnes, 2 visas, 2 passeports qui sont délivrés. 2 passeports par mois. Par mois. Par mois. Il y a quelques applications d'adoption qui fait, n'est-ce pas? Donc, à travers, je dirais, ambassade là, pour des gens de l'île qui demandent des adoptions d'enfants. Ok, qui demandent des adoptions d'enfants. Maintenant, et 15 000 dollars. Américain dépensé. C'est fonds privés ou fonds publics? C'est financement l'État? Non, mais tu avais bien dit que j'ai voyagé avec mes fonds. Ah, donc, okay. C'est pour faire une évaluation. Tu avais bien dit que j'allais voyager avec mes fonds propres. Okay. Donc, c'est avec l'argent personnel, non des amis, qui collectait, en fait, fait collecte de fonds et qui mettait à la disposition pour que l'on fasse voyage là. Parce que nous avons beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Notamment les médecins qui, en fait, collectaient après que nous avons fait interview un plus côté, qui dit que tu vas voyager quand même. Et nous collecter des fonds et nous allons pour que justement nous organisions voilà ça. Ok, et maintenant si c'est un fonds public, parce que des gens qui dit là, c'est une blague. Et ce que le sénateur a dit, en anglais, what a joke. Et pour aller rivoriver, pour c'est un seul monde qui recevra où. Et, non, mais écoutez. Non, Mabdou, sa interaction, Je dis, mais ça a son plaisanterie, son un joke. Et puis, il y a l'autre monde qui veut dire tout que. Et la Grande-Bretagne est sur le point de laisser l'Union européenne. Et il y a plusieurs réactions. Maintenant, il y a des gens qui t'ont dit, si c'était l'argent public, comme on dit, c'est pas l'argent public, là, il y a un usage inefficient de fonds publics. Mais c'est fonds privés. Et donc, je pose des questions, je pose. Vous avez un commentaire rapidement avant de parler politique, t'es rapide sous 1er janvier sous formation gouvernement. Très rapidement pour le président Alcantara. Moi, je crois que, en fait, l'approche que tu as faite, c'est une approche qui n'a plus sa valeur, sa raison d'être. Puis quand on essaie de faire confusion, parce que j'avais bien dit que je voyagerais avec mes fonds privés. Oui, ça me dit, mais ça veut dire que je voyage avec mes fonds privés. Mm-hmm. Et du fait que l'ambassade là lui-même n'est pas offrir aux fonctionnalités, n'est-ce pas, qui répondent avec attente, le blâme doit être jeté sur l'ambassade, mais pas sur le sénateur Cantave. Là, par exemple, où il y a 3 ou 4 personnes qui travaillent dans l'ambassade, et que l'État dépensait près de 11 000 dollars américains par mois pour payer le loyer, c'est ça qu'ils ont payé, soit 7 700 livres sterling par mois, qui est égal à peu près à 11 000 dollars américains chaque mois, où il y a des fonctionnaires qui ont touché entre 5 300 dollars et 8 000 dollars par mois, n'est-ce pas? Sans compter leurs frais de fonctionnement de l'ambassade là. Maintenant, je crois que c'est important, je vous dis, pour évaluer l'ambassade, pour demander quelle est l'importance de cette ambassade. Et soit son recommandation après évaluation, ça, ça le Dakar, sénateur Cantave. Moi, je crois que Haïti gagne intérêt pour que vous fassiez une supervision à coup de l'ambassade. Du fait de petits tests numériques personnellement, ma vie une question là, l'ambassade là, et faciliter de communication qui est entre personnel là, à cause du Banville, pas de pièce supervision in situ qui fait, c'est-à-dire que sur place, chargé d'affaires là, pas fait pièce supervision in situ. Et il y a plus d'une année, depuis que le ministère des Affaires étrangères de François Songuin, pas fait pièce supervision comme instance de tutelle, n'est-ce pas, au niveau de l'ambassade là. Et il y a plus de 3 ans, il y a près de 3 ans ou plus, depuis que a une pièce contrôle parlementaire qui fait alors que toutes les ambassades de l'Europe ont été pratiquement évaluées suivant le sénateur Beauplan, mais il y a l'ambassade de Londres qui n'a jamais été évaluée. On ne peut pas se baser sur la taille numérique, n'est-ce pas, du personnel d'une ambassade pour ne pas l'évaluer. Au contraire, c'est l'État qui fait évaluation. Ouais, qui importance nous gagne, qui importance l'ambassade gagne, qui travaille bien fait. Donc c'est ce travail que j'ai été faire. Donc maintenant, mélanger qu'on y a son privé à son public, on pense que faut pas faire ça là. On va supposer faire ça là, dans le sens que Jodia, le sénateur Cantave devrait voyager avec des fonds publics pour faire ce qu'on appelle l'évaluation de l'ambassade. Ok, il y a des raisons qui font que moi-même, moi décide de faire avec des fonds privés. On pense que le problème ça va poser. Ok, mais est-ce qu'on a une raison? Ça que tu as levé bouclier contre tout, tu as critiqué Bagaza qui fait. C'est pas de que tu as décidé de faire comme ça. C'est parce que tu as levé bouclier, des critiques acerbes contre ça qui fait ou tu as décidé de faire comme ça. Est-ce qu'on a réglé la République avec des fonds privés? Comment?
Est-ce qu'on a réglé des bagages de la République avec des fonds privés? Son auditeur que vous avez demandé ça? Mais c'est un choix que j'ai fait. Ah, c'est un choix okay. que j'ai fait, n'est-ce pas? J'ai voulu quand même faire l'évaluation. Okay. Étant donné que il y a des voix qui t'ont élevé, alors que nous connaissons que pratiquement il y a des fonds qui sont réservés, n'est-ce pas, à ces genres de voyages au niveau du Sénat, c'est pas un voyage inventé, c'est pas un voyage créé, et c'est pas un gaspillage d'État supposé, puisque dans le budget que nous gagnons, qui c'est 2,2 milliards de gouttes à peu près, il y a une ligne budgétaire normale qui est réservée pour les voyages des sénateurs. Et chaque sénateur peut voyager deux ou trois fois par année, dépendant du savoir faire. Et le président lui-même qui gagne 9 mois pour voyager, de janvier à septembre, c'est pour dire, pour que le cadre d'inspection ambassade avec évaluation pas faite depuis 3 ans, au niveau de l'euro, c'est seul ambassade qui va dévaluer. Vous avez fait évaluation ambassade là. Très bien, très bien. Attends, il y a un qui dit c'est trois mouns qui est l'ambassade là. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que vous évaluez, vous me dites que justification de Saloréli inspection n'est pas supposée en fonction de Saloréli la taille numérique du personnel. Au contraire, il faut aller pour un personnel qui l'a, qui s'abrégé. Ambassade là, qui travaille la fait auprès du Royaume-Uni, qui gagne le pays d'Égal, qui gagne l'Écosse, la Danie, qui gagne l'Angleterre. Et auprès de l'Irlande du Nord aussi, on aurait qui travaille comme ça, en termes clairs, en termes de diplomatie, en termes social, n'est-ce pas, etc. Sénateur, en 30 secondes, qui est-ce qu'on va soumettre le rapport? Le rapport sera soumis, je dirais, au Sénat de la République. Okay. Et si on ne peut pas faire le rencontre pour soumettre le rapport avant le deuxième lundi du mois de janvier, le rapport sera publié sur le forum des sénateurs pour que tout sénateur au courant du travail de notre FIA, n'est-ce pas, et de valeur de travail. Et étant donné que, je dirais, en fait, toutes deux banques qui ont fait son rapport, elles ont supposé d'autres publics, elles ont présenté dans l'Assemblée, je vais me permettre aussi le droit, n'est-ce pas, je vais m'arroger le droit de publier, je dirais, ce rapport, n'est-ce pas, pour que tout le monde, le peuple haïtien, soit au courant du travail qui a été fait. Ça m'a oublié son résumé que Mbaou, mais son rapport en profondeur, large que l'on fait, avec beaucoup de méthodes, n'est-ce pas, et je pense que tout pour apprendre exactement qu'il était important de faire l'évaluation de cette ambassade, parce que, on croit que, on fait la recommandation, et la recommandation que l'on fait, nous dit que, s'il y a des rapports qui fait périodiquement par l'ambassade de Londres, là, n'est-ce pas, à Tahiti à Londres, là, auprès du ministère pétrolier, là, nous va arriver à cerner que nous rapports ça. Mais l'ambassade là, il va aspect de l'entité diplomatique qui monte, qui vit, qui a fonctionné à Baboui, malgré le fait qu'il a privé aussi des services consulaires. Okay? Et il paraît de toute évidence que le personnel là, même s'il est qualifié et de bon niveau diplomatique, il est capable d'ennuyer du fait que, n'est-ce pas, il va être inoccupé dans un espace pourtant chèrement payé par les Haïtiens, près de 11 000 dollars par mois. Donc, je pense que l'adéquation entre rendement et les postes consentis par les Haïtiens, le supposé établir et le ministère des Affaires étrangères, t'as supposé assumer la responsabilité de ça. Donc, à cause de l'importance du lien historique et politique qui est en Haïti à Grande-Bretagne, et position stratégique au Royaume-Uni au niveau de l'Europe, là, n'est-ce pas? Donc, délégation parlait de faire des suggestions qui paraissent de bien motivées. Mais cependant, lui, quoi que, non, souci d'économie pour l'État haïtien, il t'a supposé prendre des dispositions pour que MAE déplace l'ambassade là, dans le local du PPC, qui est proportionnel à taille numérique personnelle là et à fréquentation ambassade là. Deuxièmement, comme l'autre recommandation fait, nous dit que l'ambassade là a supposé fonctionnellement renforcé pour être plus productive et dynamique. Et l'ambassade là a une préférence vers les communautés au lieu que le temps que la communauté vienne, de préférence à la communauté haïtienne vivant au niveau de l'Angleterre et au niveau du Royaume-Uni en général. Et que l'État haïtien assume les responsabilités vis-à-vis de fonctionnaires. Parce qu'il y a 11 mois depuis que vous ne touchez rien, 8 mois depuis que vous ne touchez, n'est-ce pas? Donc il faut que l'État haïtien assume les responsabilités. S'il veut qu'il y ait une ambassade là ouverte, il faut que justement, qu'il assume les responsabilités en assurant la régularité des salaires. Tout à fait. Et ensuite, comme autre recommandation, objectif qui est fixé par ambassade là, vous avez dit que fixer les objectifs, donc il faut qu'il y ait régulièrement mesuré et il fait suivi objectif ça. Dans l'exécution, à travers les supervisions et à travers les évaluations périodiques. Ensuite, il faut que l'ambassade là mette plus conviction
et plus de détermination okay. dans le travail que j'ai accompli pour le compte de l'État haïtien. Voilà, sénateur. Ok, merci beaucoup, sénateur. Il fait exactement 8 heures et probablement, selon disponibilité, on a retourné ensemble avec vous dans le commencement et l'année prochaine pour que nous aborder et aspect politique, situation et pays à trouver une journée. Merci pour votre attention, sénateur Kanta. Bonne journée. Merci à vous aussi. Voilà, sénateur Kanta. Voilà, votre compte, il fait exactement 8 heures dans le pays de l'Abobé. Nous respectons. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Bonne nouvelle pour nous aujourd'hui là. Mais avant de faire nouvelle là, ou même garçon qui a tant de vidéos ça là, qui pas de bonne, qui pas de endurance, qui a fait bec à terre, qui a pris route dans mes belles mesdames dans la ria, qui a pris route dans mes madame ou bien ménage ou, eh bien, gion bouteille qui est le déchiré qui bon pour garçon qui a de endurance, pour garçon qui a fait bec à terre, pour garçon qui a pris déception dans mes mesdames ou. Eh bien, déchiré déjà travail pour un pile moun. Gen pile moun qui achete déchiré, y a témoigné de li. Eh bien, kounya se moment pas oublié pour acheter bouteille qui le déchiré a pour mettre bande sous. Déchiré dans la ria là, la font pile miracle, la font pile merveille. Li réveille un pile garçon qui pas sous en rien. Eh bien, kounya men ni mote le famille le kounya pour acheter déchiré pa ou la. Ren 561 692 28 14. 561 692 28 14 c'est pour numéro téléphone ça pour aller pour acheter déchiré pour mettre bande sous pour suspendre prendre déception dans mes mesdames dans la ria là quel que soit contre rien dans le monde entier il y a vous déchiré ba ou seulement relé dans numéro téléphone nous là pour plus information relé dans 561 692 28 14 561 692 2814 ou même garçon cap tandem là ou pas gain endurance ou pas gain bande et bien relé dans numéro téléphone ça qu'on y a là pour acheter déchiré. Merci.